J'avais pris cet engagement en 2015 parce qu'il me semblait que la première région d'Europe ne pouvait pas se passer d'une réflexion approfondie sur la ville, ses visages et ses transformations. J'ai organisé cette biennale pendant 2 ans avec passion. Ça va être ici un lieu d'émulation, un lieu où on va penser. Je suis heureux de pouvoir réaffirmer que nous avons besoin des architectes, besoin des paysagistes, des urbanistes pour répondre aux grands défis de notre temps. L'architecture est le baromètre exact de l'équilibre et de la situation d'une société. Je trouve ça très intéressant déjà que ce soit à Versailles déjà et pas à Paris. C'est pas mal d'inspiration de se mettre au fait du jour sur ce qui se fait contemporainement en termes d'architecture. Je trouve ça très intéressant, oui. C'est une découverte. Il faut absolument remettre l'architecture au cœur du sujet. Pas pour les architectes, on s'en fout des architectes. Non, pour tous ceux qui vont vivre la ville. L'architecture, elle est pour tout le monde. Je suis extrêmement heureuse de voir l'engouement que cette biennale suscite dès aujourd'hui. Nous avons une spécificité, nous avons à la fois de l'architecture magnifique, du passé, de l'avenir. Nous avons ce projet du Grand Paris qui nous porte. Et puis nous avons ces paysages, cette nature qui vient jusque dans la ville. Pour tout ça, on est en transformation et je voudrais qu'on soit un modèle pour le reste du monde.